Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui auront comme un déclic prochainement. Il y a comme quelque chose qui va venir nous montrer que peut-être que je sais au fond ce que je veux au niveau sentimental. Peut-être que je sais ce qui pourrait m'apporter un équilibre. Peut-être que je sais aussi ce qui pourrait me permettre de me retrouver vraiment à ma place ou de me sentir vraiment à ma place ou vraiment en confiance face à quelqu'un. Mais pour certains, j'ai comme l'impression qu'on n'ose pas le partager avec la personne avec qui on est ou avec la personne avec qui on entame une relation. On a vraiment cette sensation que pour le moment, peut-être qu'il faut que je puisse garder tout ça pour moi. Pour le moment, ben, peut-être que c'est mieux pour moi de ne pas partager ben, mes pensées, mes envies avec la personne ben, avec qui je suis en couple, avec qui je suis en train de débuter une relation. Pour certains, on a comme cette sensation que je dois vraiment être sûre de quelque chose, je dois vraiment mettre quelque chose en place dans ma vie de manière générale avant de pouvoir clairement m'ouvrir à quelqu'un au niveau sentimental, avant de clairement pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Pour certains au niveau sentimental, d'entamer de nouveaux projets aussi avec la personne avec qui je suis. Il y a comme une situation pour certains où on a l'impression qu'on a énormément de sentiments pour quelqu'un. Vous voyez, on a de l'amour, on a une personne, il y a une femme, ça peut être un homme. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est très attaché à cette personne. Il y a quelque chose qui fait que en ce moment, ben, j'ai comme eu un déclic. Peut-être que je ne me rendais pas compte. Peut-être que j'étais autant attachée à cette personne. Peut-être que je n'ai pas forcément envie de me lancer dans une relation tout de suite. Peut-être que je suis en train de m'occuper d'autre chose. Peut-être que je suis en train de mettre des choses en place pour ma vie de manière générale en ce moment. Et que, ben voilà, ce n'est pas encore le bon moment pour moi. En tout cas, ce n'est pas encore l'occasion rêvée pour moi. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose d'ambigu entre vous et quelqu'un. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on n'arrive pas à mettre en lumière, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, quelque chose qu'on n'arrive pas à partager. Ça peut être aussi une relation, en tout cas, qu'on voit un peu, en tout cas, quelqu'un qu'on voit un peu de manière cachée. Vous voyez, on n'a pas forcément envie ben, de mettre tout ça au grand jour pour le moment. On n'a pas forcément envie non plus de se lancer tout de suite dans une relation sentimentale parce qu'il y a quelque chose qu'on doit régler pour certains. Il y a quelque chose vraiment qu'on doit mettre, remettre dans son contexte, en tout cas pour nous dans un premier temps, pour qu'on puisse évoluer. J'ai quelqu'un qui peine à sortir des choses, quelqu'un pour moi qui peine à se lancer dans quelque chose au niveau sentimental, il y a quelque chose qui me bloque. Et là, on parle vraiment pour moi d'une personne qui va ouvrir les yeux. Alors, ça peut être vous qui allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, mais ça peut être cette personne aussi qui ouvre les yeux par rapport à vous. Il y a quelque chose qui fait que je sais au fond que je t'aime, tu vois. Je sais au fond que j'ai des sentiments pour toi. Je sais au fond que peut-être on aurait pu obtenir une relation stable, qu'on aurait pu partir sur quelque chose de super stable tous les deux, mais il y a quelque chose qui l'en empêche, cette personne. On parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai l'impression que ni vous ni l'autre ne vous prenez réellement la tête par rapport à cette relation. Peut-être que on sait, on a senti qu'on pouvait faire quelque chose de bien. On a aussi senti qu'on pouvait partir sur quelque chose de très positif, ce serait quelque chose sans prise de tête parce qu'on s'entend bien, mais on n'arrive pas à se lancer dans quelque chose de plus sérieux. On n'arrive pas à se dire, ben voilà, c'est nous deux et puis on avance et puis on part sur quelque chose de super stable. J'ai pas mal de situations pour certains où on vous voit vous projeter l'un comme l'autre dans la même direction, on a envie des mêmes choses, se mettre ensemble, mais j'arrive pas à te le faire comprendre. J'arrive pas à te le dire, j'arrive pas non plus à savoir si de ton côté ben, tu souhaites obtenir les mêmes choses, tu vois les choses un peu comme moi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne, mais juste parce qu'on n'arrive pas à communiquer, juste parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses. Ouais. Vous êtes comme en pause ou je sais pas, on est en même temps amis, en même temps on ne sait pas si on est réellement des amis. Vous voyez, il y a comme quelque chose d'ambigu entre vous et quelqu'un. Il y a comme quelque chose qui fait qu'en ce moment, ben, peut-être que vous sentez qu'au niveau ben, sentimental, voilà, c'est le calme plat, on est en pause. Est-ce que ben, ça a vraiment été quelque chose de sincère? Est-ce que ça pourra réellement aboutir à quelque chose de sincère? On parle vraiment pour moi d'une situation qui est un peu gênante pour certains, quelque chose qui fait que on n'est pas forcément à l'aise, vous voyez, avec ce qui se passe.
à l'intérieur par rapport à cette personne. Cette personne n'est pas forcément à l'aise non plus par rapport aux sentiments qu'elle peut avoir pour vous. On parle vraiment pour moi d'une situation où je vois vous poser énormément de questions. Pourtant, on sait que ça pourrait être quelque chose de bien. Pourtant, on sait aussi ben, peut-être qu'il faut qu'on fasse juste un pas pour que ça puisse aboutir à quelque chose de super stable, à quelque chose qui dure dans le temps, mais on ne le fait pas. On n'arrête pas de faire demi-tour. On n'arrête pas de se dire, ben non, peut-être que c'est pas possible. Tu vois, peut-être on est amis ou peut-être qu'on n'a pas parlé, on n'a jamais parlé de ce genre de sujet. Donc peut-être qu'il faudrait mieux, en tout cas, qu'on puisse partir chacun de notre côté et puis comme ça, ben ça se termine. Et puis comme ça, ben chacun fait sa vie et c'est beaucoup plus facile. Et pour certains, ben on vous sent pas forcément à l'aise à l'idée de recommencer une relation. On vous sent pas forcément à l'aise à l'idée de partir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'au fond, on a l'impression de ne pas être sincère avec nous-mêmes. On a aussi cette impression, peut-être que l'autre n'est pas sincère non plus. Je sais que tu me caches tes vraies intentions, tes vrais sentiments, et ça peut être quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous bloque, quelque chose qui fait qu'on a du mal à avancer, parce que ben, à l'intérieur, on rêve encore de cette personne. D'un côté, je me dis, c'est bien, il faut que j'avance, il faut que je puisse passer à autre chose, mais de l'autre côté, je n'arrête pas de penser à cette personne, je n'arrête pas de me demander ce que ça aurait pu donner. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où vous avez déjà analysé le truc. On a déjà compris que peut-être que ça n'ira pas plus loin qu'une amitié, peut-être que ça n'ira pas plus loin qu'une relation éphémère, peut-être qu'on ne pourra rien construire d'autre et que tout ça c'est dans ma tête et que si on ne fait pas de pas, que ce soit lui, elle ou l'autre, vous voyez, si personne ne fait de pas, ben la situation ne va jamais avancer. Pour certains, on est comme en train de se résigner à quelque chose. Bon, j'accepte la fatalité, j'accepte le fait que ça ne puisse rien donner, donc je continue à avancer de mon côté. On se cherche un peu des excuses, on se cherche aussi peut-être de nouvelles personnes ou on cherche à rencontrer de nouvelles personnes, histoire de se dire que voilà, c'est terminé, ça va m'aider à passer à autre chose. Pour d'autres, peut-être qu'on se lance dans de nouveaux projets avec la personne avec qui on est, même si, ben, vous voyez, c'est pas réellement ce que je veux, c'est pas réellement dans cette direction que je veux aller, mais je le fais quand même parce que, ben, mon autre histoire, elle est bloquée. Je n'arrive pas, en tout cas, à partir sur quelque chose de bien avec la personne avec qui j'aime, ouais, avec qui, pour qui j'ai des sentiments. On a comme cette sensation et cette impression que au fond, on se dit peut-être que la situation va s'améliorer avec le temps. Peut-être qu'avec le temps, on aura la possibilité de faire quelque chose de bien avec cette personne. Mais pour certains, vous savez, ou peut-être même qu'on est en train de voir, ou on est en train de comprendre petit à petit, peut-être que je suis en train de me mentir. Peut-être que je n'ai pas forcément envie de voir la réalité en face. Peut-être que je n'ai pas forcément envie non plus d'accepter le fait ben, que l'autre ait continué sa route et que je puisse aussi ben, moi me libérer de tout ça, me séparer de cette personne une fois pour toutes, en tout cas que je puisse remettre les choses dans leur contexte pour que je puisse continuer à avancer. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'arrive pas à comprendre pourquoi la relation elle est terminée, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se dire non plus ben, qu'on pourra trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un qui pourra nous combler, quelqu'un qui pourra nous apporter ce qu'on veut. On parle réellement pour moi de situations pour certains où je vois vraiment des personnes un peu ouvrir les yeux, des personnes enfin un peu réaliser peut-être que voilà, l'autre n'était certainement pas dans la sincérité ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas été sincère avec moi-même. Vous voyez, en tout cas, on met vraiment le doigt sur ce qui s'est réellement passé dans la relation et ce qu'on aimerait, vous voyez, que ça donne. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est un peu en train de tout mélanger. On est comme en train de projeter quelque chose, j'ai envie de dire, de super cool sur quelqu'un, de quelque chose de vous voyez, ok, bon, tu m'aimes, ça veut dire qu'on est obligé d'être ensemble ou tu m'aimes plus que ce que je pense. Ou vous voyez, on est comme en train de projeter quelque chose de super magnifique sur quelqu'un qui n'est pas complètement, j'ai envie de dire, fait pour nous. Vous voyez, il y a comme une situation où on a vraiment du mal à se dire que peut-être oui, on peut s'aimer, mais ça n'ira pas au-delà de l'amitié. Vous voyez, oui, peut-être on peut avoir des sentiments très forts, on peut avoir énormément d'attraction, mais ça n'ira pas forcément plus loin qu'une relation, j'ai envie de dire, un peu éphémère. Vous voyez, on est comme en train de se plonger dans quelque chose d'un peu négatif, on est comme en train, j'ai envie de dire, de se persuader que quelque chose va fonctionner et que la situation va se retourner et que tôt ou tard, ben, la personne, j'ai envie de dire, ben, elle va revenir vers nous. Pour certains, alors qu'on sait très bien que c'était juste quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu éphémère ou qu'on a déjà compris, on a déjà vu que cette situation n'allait rien donner, que ça faisait peut-être trop longtemps que cette personne elle était partie et que ça ne servait à rien, ben peut-être de l'attendre ou que ça ne servait à rien peut-être d'essayer de rattraper même la situation pour certains, mais on a vraiment du mal à faire ça. J'ai vraiment des personnes pour moi qui avancent vraiment petit à petit. C'est vrai que là tout de suite, ben, c'est pas super facile. C'est vrai que là tout de suite, ben, on espère quand même pouvoir obtenir des nouvelles. On parle de toutes les façons d'une situation pour certains où vous risquez un peu d'avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est quelque chose de fort possible. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on sent que vous êtes énormément attaché à cette situation, on sent que vous êtes énormément, j'ai envie de dire,
attaché à cette personne. Alors là, j'ai une femme, ça peut être un homme. On est vraiment dans une situation où je suis comme en train d'idéaliser quelqu'un. Je suis comme en train de donner ou bien même de laisser à quelqu'un toute mon énergie positive et que je suis en train d'accumuler le négatif. On parle vraiment pour moi de personnes qui s'empêchent un peu d'avancer, de personnes qui prennent, j'ai envie de dire, un peu cette coupure, ce break comme le fait, ben voilà, ce sera comme un temps pour moi de me reposer, ce sera comme un temps pour moi, ben peut-être de m'occuper de moi, de mettre des choses en place dans ma vie de manière générale pour certains, mais on parle vraiment pour moi de situations où on est juste en train de s'attacher à une situation, j'ai envie de dire, qui a déjà atteint, qui est juste arrivée à terme en fait. On est vraiment dans ça, on a juste du mal à lâcher prise, on a juste du mal à se dire que peut-être qu'il faut que je puisse continuer à avancer, peut-être qu'il faut que je puisse partir vers autre chose, peut-être qu'il faut que je puisse accepter aussi que cette personne, ben voilà, n'ai pas envie de moi pour ses projets, n'ai pas envie en tout cas de se projeter avec moi. On parle vraiment pour moi d'une situation qui nous empêche d'avancer, une situation qui risque de nous empêcher d'avancer encore un peu pour certains. Mais on parle vraiment pour moi d'un poids que vous allez laisser derrière, de quelque chose, j'ai envie de dire, que vous allez lâcher petit à petit. Mais il faut vraiment qu'on puisse laisser cette idée, il faut vraiment qu'on arrête en tout cas de projeter ben, ce qu'on aimerait voir cette personne faire. Parce que j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui nous emprisonne, vous voyez? Je me dis oui, peut-être que c'est possible, mais au final, ben, je me bloque dans tous les autres domaines, je me bloque avec toutes les autres personnes, j'ai du mal à me retrouver au calme parce que je me dis que voilà, c'était ça dans le passé, alors que c'était pas ça. C'est comme si ben, je garde une pensée tellement positive, vous voyez, je suis tellement en train d'idéaliser la personne que je vois pas, peut-être qu'elle m'a manqué de respect, je vois pas peut-être que cette personne, elle a été engagée et qu'elle s'est moquée de moi. Je ne vois pas forcément non plus que cette personne ben, n'a pas été sincère dès le début. Vous voyez, on est comme dans un truc où on est comme dans un rêve et puis on a un peu du mal à se réveiller. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où il y a comme quelque chose qui va venir vous ouvrir les yeux. Ça peut être le retour de cette personne. Ça peut être un ami, une amie, quelqu'un autour de vous qui va vous montrer peut-être que, voilà, peut-être que tu devrais passer à autre chose. Peut-être que tu devrais continuer à avancer. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui va vous permettre en tout cas de partir. Vers quelque chose de beaucoup plus fluide, peut-être même de rencontrer de nouvelles personnes, mais on parle vraiment pour moi de situations pour certains où j'aurais comme cette, enfin en tout cas j'ai comme cette sensation et cette impression que voilà, ça va pas changer ou ça va pas se transformer, même si tu me donnes des nouvelles, mais on part toujours sur le même schéma où on répète toujours la même situation et pour certains, ben je vous vois un peu laisser, vous voyez, ce truc un peu répétitif, un peu bloquant de côté, en tout cas cette personne, pour que vous puissiez aller vers autre chose. C'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.